Message du 15 mai, tout pour qu'il règne, Oswald Schaumburg. Être à la hauteur de chaque situation. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Éphésiens 1, 18. Rappelez-vous dans quel but vous avez été sauvés. Afin que le Fils de Dieu soit manifesté dans votre corps mortel. Tendez toutes vos énergies à réaliser votre élection comme un enfant de Dieu. Soyez toujours à la hauteur de la situation. Vous n'avez rien à faire pour votre salut, mais vous devez agir pour réaliser dans votre vie les conséquences du salut que Dieu vous a donné. Vivez-vous ce salut par votre parole, votre cerveau et vos forces nerveuses ? Si vous êtes encore boudeur et grincheux, agissant à votre guise, vous mentez si vous dites que vous avez été sauvé et sanctifié. Dieu est le grand maître. Il permet aux difficultés de surgir afin que vous les surmontiez. Avec Dieu, nous ferons des exploits, écrit le psalmiste. Dieu ne vous épargnera aucune des épreuves qui vous sont nécessaires. Pierre dit, « Ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. » Soyez à la hauteur de la situation. Faites face. Peu importe si cela fait mal, pourvu que Dieu puisse, par votre épreuve, se manifester dans votre chair mortelle. Que Dieu ne nous trouve plus en train de geindre et de grogner, mais qu'il nous trouve plein de cran, comme des athlètes bien entraînés, prêts à affronter tout ce qu'il nous envoie. Nous devons tout subordonner à ce que le Fils de Dieu soit manifesté. Dieu n'a pas besoin de momie. De quel droit voulons-nous dicter notre volonté à Dieu ? Est-ce que Jésus l'a jamais fait ? Nous sommes ici-bas pour nous soumettre à lui, afin qu'il œuvre en nous comme il lui plaît. Quand nous avons compris cela, il peut faire de nous le pain rompu et le vin répandu pour la nourriture des autres. Le Fils de Dieu voudrait de ses puissants bras d'amour, lui seul peut combler ton âme pour toujours. Oh, descendra sur toi et te guérira. Jésus, oh Jésus, remplis
Pardonne-lui tes larmes et pleure. Donne-lui tous tes soucis. Tu vivras pleinement, Jésus. Jésus.